Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer que le moteur ICE est un moteur qui fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun superfuge, donc il n'y a pas de trou dans la table. Vous pouvez le voir, l'arrière du ventilateur n'a pas été abîmé. Voilà. Donc là, sur ce système, j'ai utilisé un demi-aimant au néodyme et 4 aimants, donc c'est un aimant de haut-parleur qui a été coupé. Donc je reprécise sur ce système qu'il ne faut absolument pas acheter le matériel. Tout ce matériel-là pollue notre planète, c'est-à-dire que vous allez le trouver partout. Ça, c'est un vieux ordinateur de bureau. Je vais vous poser ça là. Un ordinateur de bureau, voilà, il y en a partout. Il y en a 100 qui sont jetés en France, qui partent à la poubelle. Vous voyez, des ventilateurs, vous pouvez en avoir de toutes les couleurs, de tous les modèles. Ça, c'est de la récupération. Il ne faut absolument pas acheter, vous récupérez ce qui part à la poubelle. Tout ça sont des ventilateurs qui fonctionnent, mais qui partent à la poubelle. Vous les récupérez et vous allez pouvoir faire fonctionner votre moteur. Vous collez des rondelles, tout le monde a des rondelles chez lui. Et au niveau des aimants, soit vous utilisez les aimants de disque dur. Moi, j'ai utilisé ça, pourquoi? Parce que des disques durs qui ne fonctionnent plus, bah, c'est pareil, il y en a plein les poubelles. Il y en a partout, donc vous les démontez, vous récupérez les aimants qui sont dedans. Ou alors, vous avez bien une vieille enceinte, un haut-parleur, vous le démontez et vous allez récupérer les aimants qui sont à l'intérieur. Vous le cassez, donc c'est pas évident, j'admets, mais vous pouvez faire tourner votre moteur. La seule chose qui va faire tourner mon moteur ici, c'est les aimants, le champ magnétique des aimants qui vont attirer ou repousser directement mes rondelles métalliques positionnées sur les pales. Là, je ne suis pas passé par un transfo, pourquoi? Parce que je vous ai pris une ampoule LED 12 volts. Donc comme le ventilateur donne du 12 volts, vous le branchez directement et vous obtenez de la lumière gratuitement. Après, vous pouvez brancher un smartphone. Bon, là, il faudra passer par contre par un convertisseur. Parce que les smartphones, c'est du 5 ou 6 volts pour pouvoir les recharger. Mais ce moteur fonctionne. On m'a demandé... Alors, je vais le positionner comme ceci. On m'a demandé de mettre des petits bouts de papier pour prouver qu'il n'y avait pas de soufflerie. Je vous mets des petits bouts de papier, voyez, et derrière, ça souffle, mais pas devant. Je peux vous mettre des bougies. Est-ce que vous avez été plusieurs sur Internet à me parler d'un sèche-cheveux? Mais non, il n'y a pas de sèche-cheveux. La seule chose qui fait fonctionner ce moteur, c'est le champ magnétique. Vous voyez, rien ne s'éteint. Voilà, je le mets derrière, ça s'éteint. Je le mets devant, ça ne s'éteint pas. Je le mets derrière, ça s'éteint. Pour vous prouver que ce moteur fonctionne, je vais vous le faire fonctionner dehors. Donc l'avantage du moteur ACE, c'est que vous pouvez le transporter partout. Vous allez en camping, vous allez à la chasse, vous allez à la pêche. Ça vous permet d'avoir du courant directement à moindre coût. Ça va pas être évident. Alors attendez. Une fois positionné dehors, vous voyez le moteur fonctionne. Donc je suis désolé pour le bruit, mais on est dehors. Donc vous voyez, je le pose où vous voulez. Pas forcément évident. Et voilà, et je peux me reculer. Et je peux vraiment, vraiment, vraiment me reculer. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien autour. C'est uniquement le champ magnétique qui va faire tourner ce moteur. Et ça, je peux le bouger, le mettre partout. Je peux le positionner au sol. On va regarder s'il n'y a rien qui va pouvoir gêner. Vous voyez? Voilà. Le moteur ACE est un moteur qui fonctionne au champ magnétique. Une petite réponse donc aux personnes qui me parlent des aimants néodium, donc les aimants qui vont consommer beaucoup d'énergie à leur fabrication. En me disant que ce moteur va polluer parce qu'on va consommer énormément d'énergie pour pouvoir créer ces aimants. Je le répète, c'est des aimants que vous allez récupérer qui partent à la poubelle. Donc à partir du moment où ça part à la poubelle, ça a été créé déjà avant. Donc là, c'est du déchet. Vous récupérez le déchet et vous allez faire de l'électricité gratuite. Pareil pour le ventilateur. C'est uniquement... On entendra moins de bruit. C'est uniquement le champ magnétique qui va faire tourner ce moteur. Et il faut absolument récupérer tout ce qui nous pollue. Voilà. Tout ça était, hormis l'ampoule, était destiné à partir à la déchetterie.
Et bien le moteur ACE est un moteur 100% économique qui vous permet d'avoir du courant où vous le souhaitez.